Qui ça peut être? Moi, je n'attends personne. Hein. Cela, est-ce que c'est pas la voisine qui vient encore chercher du sel pour sa sauce? Non, elle est très chère quand même. Elle va pas chercher de venir faire son marché dans cette maison. C'est ça, j'ai dit là. Mais si c'est elle, elle va m'attendre tout de suite. Non, faut laisser, je vais régler. Ouais, comme ça. Allons. Sans nous, les femmes là, moi, je vais régler ça plus facilement. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, je suis venu vous saluer. Ah bon? Et tu es là depuis quand? Je viens d'arriver. Ah bon? Oui. Tu viens d'arriver d'où? Ah, du village. Et où sont tes bagages? Non, voilà mon bagage. Ah, donc si je comprends bien, tu es venu directement du village, tu n'es même pas passé ailleurs, tu es venu nous dire bonjour. Oui, c'est-à-dire que je suis venu rester ici pour me chercher quoi. Quoi? Tu vas venir rester où pour te chercher? Tu es perdu. Tu es perdu et c'est chez nous que tu vas venir te chercher. Hé, hey, on ne peut pas se lever comme ça du village et venir chez nous pour dire qu'on vient se chercher. Il n'y a pas de place ici. Hein? Non, je pense que c'est quelqu'un qui a dû lui dire qu'en venant ici, il doit venir chez moi. Ah, tu as été mal informé. C'est, hein, c'est Omar. C'est Omar qui a dit ça. C'est qui? Omar, quel Omar? Omar Ozoa. Ah. Mais tante Ozoa aussi. Elle-même, ça lui coûte quoi de m'appeler pour te dire, pour me dire que tu arrives? J'ai dit. Hein? Ozoa ou je sais pas Omar, là, c'est qui? Bon, enfin, c'est une de mes tantes là. Bon, mais enfin, écoute, il faut déjà t'installer. Hein? Entre toi, t'installer. Je sors avec ma femme, on revient tout à l'heure. Hein? Voilà. Là où tu vas entrer là, le mot qu'il a dit installe-toi là, ça veut pas dire que tu dois t'installer. Prends une chaise et tu t'assois devant là, tu nous attends. Et tu n'ouvres à personne, tu ne touches à rien. C'est bien entendu? Oui, oui. D'accord, allons. Bonjour. Est-ce que je peux avoir 1 kg de sucre, s'il te plaît? Oui. Ok, d'accord. Merci. Bonjour. Salam, bonjour. Aïe. Salam, pourquoi tu ne me réponds pas? Je t'ai fait quoi? Hein? C'est fatigué. Je t'ai fait quoi? C'est pas donner toi le crédit aujourd'hui. Alors, ma soumise le crédit. C'est pas donner le crédit. Non, Salam. Moi, je te dois pas. Hein. C'est mes doigts pas. Mais quand c'est prendre le crédit, ce n'est pas payé. Quand c'est prendre le crédit de 100 francs, c'est payé 25, c'est payé 10 francs. Et si moi, c'est pas le magasin, c'est prendre payé comme moi. Non, Salam, faut pas gâter mon nom. C'est gâté. Faut pas gâter, c'est gâté mon nom. Mais même quand je prends crédit, un peu là, je paye, non? Hein? Même si c'est un peu, je paye quand même, je paye tout ton argent. Mais c'est pas payé vite. C'est mes fatigues. C'est pas payé vite. Attends, Salam.
Moi, Dakati, là, je te respecte trop. Hein. Moi aussi, c'est respect. C'est toi, parce que tout ce que tu fais pour moi, là, je reconnais. Je reconnais tout ce que tu fais pour moi. Parce que tu es le gentil boutiquier du quartier. Hein? Donc, moi, je peux pas faire quelque chose de mauvais contre toi. Même le jour où mon mari vient là, hein, au nom de Dieu, tu seras son grand camarade. Parce que c'est parce qu'actuellement, là, il n'est pas là, raison pour laquelle j'ai des problèmes comme ça. Le jour où il vient de France, là, toi, Salam seulement, là, tu seras son camarade. Et même si tu veux aller en France, partout où tu veux, lui, il peut t'amener. Ton mari, c'est France? Aïe, mon mari est en France, Salam. Il est en France. Et toi, c'est fait quoi ici? Moi, je suis venu faire quelques jours et puis je vais repartir. C'est tout, c'est à cause de ça que tu me vois comme ça là. Donc toi aussi c'est France? Moi je suis là-bas, oui. Mais il est sur le tu vois les clients petits, ça. Tu voulais quoi? Bon, c'est qu'il y a su, mon mari va t'amener en France. Il va t'amener en France. Et voilà, tu voulais quoi? Je voulais deux boîtes de tomates. Et puis, savon. Un gros savon là. D'accord. Les tomates, les savons. Alors sinon, hein? Tu dis quoi? Ton mari c'est France quel côté? Ah, tu connais France Washington, non? France Washington. Oui. C'est là-bas il est. Ah. voilà, c'est ça, vous voulez, non? Je vais payer après demain. Ça, c'est pas problème. C'est pas problème. Ouais. Bon, donc tu vas mettre encore, il faut mettre huile. Huile. Tu mets huile, ouais. Et puis lait. Ouais. Et puis lait. Ouais. Et puis, ce qu'on met dans le doupé là. Eh, madame, c'est bon. C'est bon, tiens. Bien, je vais commencer par mon ami. voilà. Allons, chérie. Voilà. Alors, mon ami, à quand le voyage? Ah! En fait, exactement dans deux semaines, nous partons. C'est déjà arrivé! mais non, mais on revient un mois plus tard. On va pour un mois. Non? Ah, c'est pour deux mois. Non, quand même, tu vas pas réquisitionner mon ami comme ça? Oui, quand même. Mais qu'est-ce que je vais, comment je vais faire avec tous ces dossiers que tu me laisses? Voilà, c'est toi, tu te maîtrises! Et donc. Ma chérie, j'ai pas envie de. Comment ça? Mais tu as trop de chance, tu vas à Paris. J'ai toujours rêvé d'aller à Paris, ma chérie. Oh, ma chérie, ton tour va arriver, attends, tu vas voir. Quand? Hi. Bonjour. Bonjour. Mais toi, tu fais quoi dans la maison des gens? Pardon? Hein? Pardon. Non, tante est là. Ils sont sortis. Aïe. Ils sont sortis comment? Ils sont sortis. Mais ils sont sortis. Comment toi, tu as fait pour entrer? Ils ont ouvert la porte et puis je suis entré. Et puis tu dis ils sont sortis. Mais si ils sont pas là, tu veux que je dise ça dans quelle langue? Hein? À Bola, à Tei. Ah! Bon, d'accord. Est-ce que tu peux me laisser rentrer? Je vais prendre du sel à la cuisine, quoi. Un peu de sel. Toi, tu sais pas où on vend le sel. On t'a dit qu'ici, là, c'est une boutique. Aïe. De toute façon, ils m'ont dit de ne pas ouvrir à quelqu'un. Oh, toi, tu mens. Tu mens. Moi, ils m'ont jamais dit ça, là. Ils ne m'ont jamais dit. Toujours quand je viens là, c'est là, je prends du sel. Tu as compris? Regarde. Je dis. Aïe. Tu me connais? Non, tu me connais. Méfie-toi. Y'a quoi? Oh, attends. Y'a quoi? Pourquoi tu me pousses? C'est ça, là. De toute façon, lui, là, son visage, elle est, c'est pas un voleur. Cela, peut-être, il est venu attendre ici, et puis ses amis, là, sont dedans. C'est quand je dis, je bouge pas, je suis ici. Je les attends où ils vont passer pour sortir là. Je suis là. Je suis ici, hein. Non, il n'y a pas
ici. Mais c'est quelle maison ça là? Ah, le problème de Zoukou, prends une femme au village, tu vas te faire à manger et des enfants. Zoukou dit non. Prends une femme, il dit non. Voilà, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Ça, c'est une maison où il n'y a pas à manger, où il n'y a pas d'enfants, mais il n'y a pas la vie. Vraiment. Chérie, j'espère qu'un jour tu m'offriras le billet. Attends, tu doutes de mon ami ou quoi? Il va le faire. Il va le faire. Non, mais attends, ce que je vais faire même là, c'est que le billet que je vais te donner là, c'est pas pour un pays. C'est le tour du monde que tu vas faire avec. Ouais. Mon ami. Ouais, vas-y quoi. Non, mais donc on va... Mais on a un sérieux problème. Comment ça? Tu sais, il y a un de mes cousins du village là. Il a débarqué à l'improviste. Non. Il est à la maison, il est chez nous là-bas. En 2008, là, les gens font ça. Surtout à la veille de mon voyage, il est venu. C'est le grand problème que j'ai avec ma femme. Non. Mais Zoukou, est-ce que ça là, c'est un problème? C'est pas un problème. Il va retourner d'où il vient, c'est tout. C'est facile. Tu comprends que c'est facile à dire. C'est très difficile dans la pratique. Moi, à mon avis, il faudrait lui demander les vraies nouvelles au lieu de vous lamenter. Quelle vraie nouvelle? On lui a déjà demandé, il nous a dit, donné les vraies nouvelles. Il nous a dit que c'est pour venir se chercher. Non, mais dans ce cas, c'est facile. Chez nous, ma chère. C'est facile. Mon ami, trouve-lui un petit boulot là. Ouais, hein? Il va, ça, comme ça, il va se prendre en charge. Sinon, s'il n'est pas au village là, ils vont gâter votre nom. Hein? Quand je dis que c'est difficile là, c'est à ça que je pensais. Non, dis-toi bien que la femme qui l'a fait venir chez nous là, c'est celle-là même qui m'a élevé. Après le décès de mes parents. Ah non, là, mon ami, tu as des problèmes. Mais, tu connais l'Afrique. Non, j'ai dit, tu as de sérieux problèmes. Hein. Faut pas jouer avec ça. Ah bon? Tu connais l'Afrique? J'ai dit. Qu'est-ce qui les empêchait de nous appeler, au moins pour nous prévenir avant ça? Là, il a raison. Oui, mais en fait, c'est de tout ça on parle. C'est-à-dire, il faut trouver une formule pour s'en sortir. C'est bien beau, hein. Mais toi, il faut avoir de bonnes relations avec le village. Tu sais, avec ces gens, on ne sait jamais. Ils ont un avion mystique là. Ils risquent de débarquer chez toi comme ça un beau matin et puis troubler ton sommeil. Non, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Non, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. C'est vrai, ils sont vaincus au nom de Jésus. Mais il faut le laisser, Jésus. Actuellement, il faut le laisser. Ça fait 2008 ans qu'on l'attend. Il n'est pas encore venu. Donc, je comprends que Madame Zoukou comprend notre requête. Hein? Mais attendez, si on faisait une partie de 8 Américains. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, ça. Ma chérie, passe ici, on va les affronter. Oh, allez, chercher les cartes. Va étudier. Ayao. Oui. Tu as quel problème? Ça veut dire que... Non, toi, tu as quel problème? Non, aucun problème.